A ton lago Bali Agnino. Ma personne, pour me présenter, je suis Antine Grawa. Je suis secrétaire général chargé de la permanence et de l'administration. En effet, nous sommes cette année 2018, la 8e édition de ce festival qui, en cette année, célèbre à la fois ses 12 années d'existence. Voilà. Le thème de cette année, c'est le thème Aller Blo. Pour parler cohésion, de façon terre à terre, c'est pour dire que nous célébrons l'unité. Nous sommes un. À cette édition-là, nous avons à présenter, comme d'habitude, les chants, la danse, la beauté, les composantes au plan culinaire, les jeux et tout ce qui distingue nos peuples-là pour pouvoir permettre à l'extérieur de les découvrir et connaître au mieux nos différents peuples frères que sont les peuples d'Ida, Godier, Anéo, Avikam, Ega et j'en passe. Nous tenons à saluer et remercier toute la population qui, comme une seule personne, s'est levée pour permettre l'ouverture officielle de l'édition Aller Blo en ce jour de jeudi 9 du mois d'août 2018. Nous tenons à remercier les autorités et tous ceux qui, main dans la main, permettent la réussite de cette activité-là. Mais en même temps, nous appelons à l'implication de tous pour que Djaka Festival reste un Djaka Walinyo. Que tu singulièrement Dida et Godier, vous êtes en direct sur le champ qui abrite actuellement la 8e édition de Djaka Festival. Nous ouvrons les portes du spectacle de notre terroir. Nous avions déjà, en fin de semaine passée, commencé avec le côté sud de la région du Lodjibois, c'est-à-dire Zikisso, qui a abrité le circuit touristique, qui a consisté essentiellement à la découverte de ce que nous savons faire au plan local et de ce que nous avons comme vestige du passé. Ce séjour a été bénéfique. Ce séjour a été bénéfique à tous les touristes. Et après ce séjour, nous sommes descendus sur Divo pour vous présenter le grand spectacle que cache le Djaka Festival. Aujourd'hui, c'est la journée d'ouverture. Déjà hier, il y avait le concert de louanges pour pouvoir permettre à tous les esprits de s'équilibrer en faveur de la réussite de la fête. Aujourd'hui, vous aurez du spectacle, vraiment du spectacle à l'état pur. Parce que nous avons dans toute sa composition l'ancien cercle de Grand Laou. Je vais parler des Godier, des Avikam, des Dida, des Néo et des Zikier qui sont tous donnés rendez-vous ici pour pouvoir chanter à l'unisson la profondeur et la richesse de notre patrimoine culturel. Tout à l'heure, nous allons vous ouvrir un petit couloir pour vous permettre de vivre en direct les à côté du festival, mais il y a aussi le grand chantier, le grand champ du spectacle. Vous allez découvrir ce que nous savons faire. On dit souvent que le peuple d'Ida Godier a une péjoration autour de son identité et nous allons vous permettre de repréciser notre identité autour de notre savoir-faire culturel. Tout à l'heure, je vous donnerai rendez-vous. Je vous remercie.